pas qu'il essaie de l'exister. On est venu ici dans l'événement pour développer notre expérience, pour élargir notre espace de développement sur l'économie, sur l'opération qu'on fait, sur l'agroalimentaire, parce que moi je suis dans le domaine de l'agroalimentaire. Je suis là depuis 20 ans. Je l'ai commencé en 2002 avec une entreprise familiale. Et en 2011, j'ai créé ma propre entreprise, petit à petit. Et en 2016, j'ai créé ma société Sogeco Charles qui se développe petit à petit, alhamdoulilah. Effectivement, parce que bon, si on parle de l'huile, tout le monde parle de Malaisie. Oui, tout à fait. Donc, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'huile. D'accord. C'est pourquoi on est venu ici pour rencontrer les producteurs de l'huile et les exportateurs de l'huile, quoi. Mais on a rencontré pas mal de personnes. On a changé des contacts. Bon, le reste, on va changer par email. D'accord. Le halal, ou ce qu'on appelle l'économie islamique, c'est pas seulement l'alimentaire, c'est aussi la finance islamique, c'est le tourisme islamique, c'est la modeste fashion, c'est la cosmétique. Est-ce qu'il y a d'autres produits, c'est des choses qui intéressent le Sénégal aujourd'hui, ça aussi ou pas? Effectivement. Ouais. Mmh. C'est des secteurs où il peut y avoir de la demande au Sénégal en fait. Effectivement. Parce que tu sais que le Sénégal est un pays de développement, donc même si on parle de l'importation et l'exportation, tout le monde pense faire de l'industrie. D'accord. L'industrie, par exemple, sur l'huile, il y a des gens qui ont commencé à faire implanter des industries. Alors d'abord, j'ai été invité par l'ambassade, alors que j'étais conseiller technique au cabinet du ministre du Commerce sortant. Alors c'est de là que j'ai appris l'événement. Après, j'ai fait des recherches sur le Google, sur YouTube, pour voir les émissions, les éditions précédentes et autres. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors que j'ai lancé mon cabinet de relations publiques et d'affaires, j'ai été en contact avec beaucoup de partenaires sénégalais, des importateurs sénégalais qui sont vraiment intéressés par les produits malaisiens, tels que l'huile, le lait, le sucre, tout ce qui est produit cosmétique, tout ce qui est produit végétalien. Également sur l'aspect halal qui intéresse vraiment le Sénégal, qui a une très forte majorité musulmane. Donc je pense que c'était intéressant de participer à travers l'ambassade à cet événement si important que j'ai découvert avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir. Donc c'est des produits de manière spécifique que vous recherchez ou plutôt des opportunités en venant ici découvrir de nouvelles choses que vous pourriez importer au Sénégal? Bon, on peut dire les deux, parce que c'est un événement de networking qui pourra vraiment t'aider à développer tes affaires. Mais également, on est là pour chercher des produits spécifiques, comme je vous ai dit. C'est une délégation de chefs d'entreprise sénégalaises qui ont vraiment besoin de trouver de bons produits pour l'importation. Donc, l'huile, le lait concentré, le lait poudre, la glace, tous ces produits qui sont vraiment intéressants seront vraiment des choses qu'on aimerait importer pour le Sénégal. Oui, parce que j'ai trouvé Mies sur l'Internet. Quand je fais un petit peu de recherche, c'est intéressant. C'est beaucoup de produits, beaucoup de producteurs, et on peut faire comme network. Tout à fait. Voilà, c'est ça la raison, je suis là. Alors c'est intéressant parce que tu dis, j'ai trouvé sur Internet, mais toi tu es malaisien, d'origine malaisienne. Oui. Normalement tu dois connaître oui, le Mias. Oui, c'est ça. Mais tu as trouvé sur Internet. Oui, tu ne savais pas que ça existait. Non. Comme quoi, il n'y a pas assez de communication justement sur l'événement. Hein, oui. Je pense. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas. Hein. Oui, parce que quand j'ai trouvé sur Internet, après il y a un numéro de contact. Je téléphoné et après ils ont invité. Invité. Ils ont invité, elle est là.
je suis là. Ok. Alors depuis que tu es là, qu'est-ce que tu penses de, des rencontres, de l'événement? Quel est ton avis là-dessus? Ah oui, c'est magnifique en fait. C'est magnifique. C'est intéressant. C'est intéressant parce que... Le nombre de monde, le nombre de personnes, d'entreprises, c'est bien sûr. C'est pas, y a, tout le monde, il est là. Ouais. Et partout. Le monde entier. Oui. Tu sais, je te donne un chiffre, tu sais combien ils font, j'ai appris, mais ces échanges, ces échanges-là que tu fais du matin, toute la journée, et toi et d'autres, ça génère plus d'un milliard de dollars par an. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, très très incroyable. Parce que, je ne sais pas, pour moi, c'est le plus grand événement dans le mondial. Ah oui, oui. Pour le produit halal. Pour les produits halal. Produit halal. Clairement, je crois, oui, définitivement. Oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Depuis ce matin, tu as fait des rencontres intéressantes par rapport à tes recherches de produits. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, c'est Yalis là, pour travailler. D'accord. Oui, j'ai trouvé 4 ou 5 producteurs. D'accord. Qui est vraiment intéressant pour diffuser le produit en France. Pour importer. Alors quel type de produit par exemple? C'est par exemple le healthy, c'est un produit santé. D'accord, de santé. En santé, par exemple le healthy, c'est des choses naturelles. Okay. Choses naturelles, quelque chose. Donc c'est... ça c'est plutôt dans la, pas la cosmétique, mais la santé quoi, tout ce qui est médicament. Non, ouais. C'est pas médicament, non, c'est... pour le manger, pour l'alimentation, alimentation. Alimentation. Alimentation, d'accord. C'est très intéressant, même par exemple le boisson aussi, c'est pour healthy. D'accord, des boissons oui. Qui améliorent la santé. Oui. C'est et ça. Tu m'as parlé de nouilles en off tout de à l'heure. Nouilles, de nouilles, oui, de des nouilles qui sont aussi pareil. Ça, c'est de nouilles, c'est naturel. Il vient, il a un produit qui vient de plantes. D'accord. Oui, c'est très très intéressant. Bon, vraiment, on découvre. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert plein de produits oui. que je connaissais pas. Ils sont. Oui, c'est. D'accord. Donc définitivement, c'est un événement qui t'intéresse et oui, tu reviendras c'est intéressant. Pour l'année prochaine. Oui, bien sûr, c'est sûr. Donc merci beaucoup d'abord pour cette interview. En tant que chef d'entreprise et en tant que président du patronat en Algérie, notre venue avec tout un groupe de chefs d'entreprise algériennes, c'est de chercher des opportunités de production ou de montage d'usines en Algérie, vu que le food, c'est la tendance, premièrement. Le healthy, c'est une tendance internationale. Le marché en Algérie, il est porteur. Et en plus, l'ouverture sur l'Afrique, beaucoup plus, pour l'exportation. Vous-même, vous m'avez dit, vous êtes dans le domaine du bâtiment. Vous êtes chef d'entreprise voilà. Maintenant depuis des années. Et là, mais là, pour vous, ça représente une opportunité voilà. Justement de rechercher des nouveaux. En tant que chef d'entreprise, réfléchir à des ouvertures sur d'autres secteurs. D'accord. Vu que l'État algérien ouvre grandement les portes pour les chefs d'entreprise de réaliser des investissements dans tous les domaines. Et le domaine de l'agroalimentaire, c'est un domaine très porteur, soit en Algérie, soit à l'extérieur d'Algérie. D'accord. Donc ici, bon, il y a des vendeurs potentiels, hein, c'est des producteurs de produits, d'où en l'occurrence, vous recherchez plutôt des associations, c'est-à-dire de pouvoir produire, vu que le gouvernement algérien facilite, exactement. De pouvoir produire sur place, exactement. De bâtir des usines, c'est ça votre... Exactement. Vu que l'État algérien, premièrement, a banni l'importation, l'import-import, soi-disant, ou bien l'importation finie. Nous sommes en train de réfléchir à est-ce que nous achetons la matière première, la transformer en Algérie, l'emballer, la travailler et l'exporter, soit la vendre en Algérie et l'excédent, l'exporter beaucoup plus vers le marché africain. Vu les accords d'association, premièrement maghrébine et deuxièmement africaine, et c'est un marché très porteur. C'est un marché qui peut apporter beaucoup pour les chefs d'entreprise algériens. Donc là, vous avez prévu dans la journée de rencontrer combien de producteurs environ? Là, il y a un agenda qui est précis. Bien hein. Sûr, c'est vous un agenda. En fait, voilà, c'est un agenda proposé, choisi. Là, j'ai 14 entités. Voilà.
que je dois rencontrer. Là, je suis à Troyes. Pardon. Et j'attends les autres. Il y a, il y a des opportunités d'association ou bien la réflexion d'importer la matière première et la faire... pour la retravailler sur place. Retravailler sur place. Et ça, c'est notre... C'est-à-dire, c'est les lois algériennes qui vont dans ce sens. C'est-à-dire essayer de produire algérien. Tout à fait. Voilà. L'Algérie qui facilite. Ok, Silhem, merci beaucoup de nous avoir répondu. Et puis je vous souhaite bon courage. Sauf, je vous donne... Voilà, je vais la mettre. Hein, je vais C'est mon, mon email. Ouais, super. Voilà. Je vous enverrai hein, le... Voilà. Rabbi yahfdak. Et on te zéda. Ma'a fataïba, inchallah. Barakallahu fik. Barakallahu fik.